Yo les gars, c'est Nsu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire tous les mythes de Pet Simulator dans le monde 1. Et on fera aussi une partie 2 dans le monde 2 et une partie 3 dans le monde 3. Donc vous verrez ces vidéos bientôt, vous inquiétez pas. Et donc aujourd'hui, on va résoudre 20 mythes. De base, je voulais en faire un peu plus, mais comme je fais aussi une partie 2 et une partie 3 dans les autres mondes, j'en ai gardé quelques-uns pour plus tard, vous inquiétez pas. J'ai gardé les plus croustillants pour plus tard. Et du coup, aujourd'hui, on va faire les 20 mythes les plus what the fuck, les plus bizarres, les plus rigolos que j'ai pu trouver sur le monde 1. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, j'ai regardé sur TikTok, sur Twitter. Il y en a aussi certains que j'ai créés moi-même, vous verrez, que vous avez sûrement jamais vu, qui sont assez originaux. Et donc c'est parti. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les mythes, en gros, c'est une sorte de légende que les joueurs se sont créés. Par exemple, je vous dis une bêtise, mais oh, il y a un mythe secret. Par exemple, il y a un mur secret derrière cette porte, vous voyez? Et bah, on teste, hop, c'est faux. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, c'est parti. Désolé un peu si j'ai ma voix cassée, les gars, je suis un peu malade. Et donc, le premier mythe, est-ce que c'est vrai que le din... Est-ce que c'est vrai que le Dino Cat est plus rare qu'un Titanic? Ok, alors pour ce faire, on va aller regarder. Où est-ce qu'il est le Dino Cat? Je crois que c'est par là. Ouais, bah il est exactement là. Dans l'œuf 44, le petit Dino Cat, vous le voyez juste ici. Et bah, c'est parti, je pense qu'on va directement ouvrir des œufs pour essayer de l'avoir. Attention. Ok, déjà, en 100 œufs, je l'ai même pas eu. Donc déjà, il est pas mal. Ok, on continue. Toujours pas, ok. Alors attendez, peut-être que c'est vrai. Ok, toujours pas. What the fuck? Attends, encore. Non, mais là, c'est trop. Attends, j'abandonne pas, les mecs. Ok, et bah vous savez quoi? Je vais mettre carrément un auto-hatch. C'est parti. Oh! Nice! Enfin! Oh les gars, j'en pouvais plus! Vous allez voir un accéléré, vous, mais moi les gars, depuis tout à l'heure, je fais que d'ouvrir. Et frère, j'en pouvais plus. En plus, je l'ai eu en golden, je crois. Alors, Dino Cat, hop. Ouais, je l'ai eu en golden. Je l'ai même pas en. Je l'ai même pas. Je ne l'ai même pas en rainbow. Mais du coup, le mythe n'est pas du tout validé. Puisqu'il n'est pas aussi rare qu'un Titanic. Ok, alors le deuxième mythe, apparemment, les gars, si vous commentez votre pseudo Roblox, vous pourrez gagner l'un de ces exclusifs juste derrière moi. Et les gars, je pense qu'on est tous d'accord et qu'on sait déjà que ce mythe est 100% validé. Ok, alors le troisième mythe, il est assez connu, c'est le knock-knock avec Preston. Apparemment, si on dit knock-knock, la porte devrait s'ouvrir et Preston devrait nous faire une blague. Alors c'est parti, on va tester, let's go. Oh, ok, un bouton E vient d'apparaître déjà. J'ai marqué knock knock, un bouton est apparu. Ok, on va appuyer sur E, on va appuyer sur E, on va appuyer sur E. Allez, 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 allez. Il se passe quoi, il se passe quoi, il se passe quoi? Je spam, je spam, je spam, je spam, je spam. Allez, 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 allez. Mec, je spam de fou, les gars. Je spam de malade. Mec, ça marche pas. Aïe, aïe, aïe. Je continue, j'abandonne pas. J'ai failli abandonner, mais j'abandonne pas. On dirait que ça marche pas ce truc. Ok, je continue, je continue. On sait jamais. Bon, 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 les mecs. Ça fait quelques minutes que je suis en train de tapoter sur ce petit E. Et ça a pas l'air de marcher. Donc, pour moi, le mythe n'est pas du tout validé. Preston ne nous fait pas de blague. Mais si jamais vous pensez que ça marche vraiment, eh bien, dites-le-moi dans les commentaires. Et rejoignez le Discord pour me prouver avec une vidéo que vous avez réussi à le faire. Ok, alors le mythe suivant, apparemment, c'est pour ouvrir les portes secrètes. Vous savez, il y a beaucoup de portes secrètes dans le jeu. Et apparemment, en juste disant ouvre-toi, la porte devrait s'ouvrir. Évidemment, il faut le dire en anglais, vous vous doutez bien. Donc on va marquer open. C'est parti. Open. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, je peux rentrer. Ah non, non. Ah non, 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 on peut pas rentrer. Il n'y a même pas de bouton qui est apparu. Ok, et bah le mythe n'est pas du tout validé. Ok, alors le mythe suivant, apparemment, si on tombe dans le vide, on va apparaître dans une zone secrète. Et pour tomber dans le vide, je suis dans la zone VIP. Et vous voyez, il y a un petit trou juste là. Il faut réussir à passer comme ça sur le côté. Ok. Et ensuite, je crois qu'on peut tomber dans le vide quelque part par là. Attendez, si je dis pas de bêtises. Parce que je crois que je l'avais déjà fait une fois. À moins que ça a été nerfé, malheureusement. Et si ça a été nerfé, ça veut dire qu'on ne peut plus le faire. Mais je vais quand même essayer, attendez. Ah, attends, quoique. Ah, ça a l'air de plus trop marcher. On dirait que ça marche plus. What?
suis arrivé dans une zone secrète là carrément. Wesh, mais je suis où? Ok les gars, bah je crois que ça marche pas. On va quand même essayer la méthode numéro 2. La méthode numéro 2, c'est d'aller dans le mini-jeu de la jungle. Et apparemment, si vous êtes dans le mini-jeu de la jungle, que vous sautez dans le vide et que vous appuyez sur le bouton Home, apparemment... Oh, vous tombez dans le vide? Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ok. Et du coup, c'est la zone des escaliers. La fameuse zone des escaliers, je pense que vous la connaissez tous. Et bah c'est comme ça qu'il faut faire pour y aller. Ok, très bien, très très bien. Eh bien, mythe validé. Ok les mecs, pour le prochain mythe, on est encore dans la même zone. Apparemment, on peut avoir un huge gratuit en montant les escaliers. Du coup, c'est parti, c'est ce qu'on va tester ensemble. Et donc, je pense que l'on va monter un petit peu. Je vais pas monter trop longtemps parce que sinon, bah, ça va être un peu long. Mais on va tester quand même. Allez, je monte, je monte, je monte. Ah, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être infini en fait, regardez. Ah oui. Ok, bon bah les mecs, ça a l'air d'être infini cet escalier. Du coup, je vais pas monter. Mais comme vous le voyez juste ici dans les achievements, vous pouvez récupérer un huge angel dog en montant les escaliers. Malheureusement, il n'y en a que 3 qui existent, donc je me demande si c'est un bug ou si on peut vraiment le faire. En tout cas, mythe validé. Ok, pour le mythe suivant, apparemment, quand on rentre dans le mini-jeu des dalles, donc celui-là, comme un peu dans Fall Guys, et qu'on va tout à gauche, apparemment, on n'a même pas besoin de cliquer sur les dalles et ça marche. Ah bah, mythe, moi pas trop valide. Non, je rigole, je rigole. On fait un deuxième essai, attendez. Deuxième essai. Oh merde. Troisième essai, troisième essai. Attendez, je pense qu'on va commencer par là, attendez. Parce que là, ça marche. Mais frère! J'ai vraiment pas de chance. Ok, c'est parti. What? Ok les mecs, attendez. Je réessaye. Oh, what? Ok, attendez, attendez, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. En fait les gars, je crois qu'il faut le bon angle. C'est très compliqué. Ok. Attendez, attendez, attendez. Je tiens un truc, je tiens un truc. Allez, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Oh, j'y croyais pas du tout à ce mythe. Pour moi, le mythe, il était 100% faux, les mecs. Et bah, au final, regardez. Au final, ça marche plutôt bien. Ok. Oh frère, je me suis pris une bombe. Bon, je me suis pris une bombe à la fin, mais c'est pas grave. Parce que le mythe est 100% validé. Alors que j'y croyais pas du tout. Ok, apparemment, pour le prochain mythe, il faut se rendre à la plage. Juste ici, dans le petit caillou. Enfin, dans le caillou, sur le caillou. Il faut monter jusque-là. Et apparemment, on verrait. Oui, attendez. Attendez, what? J'ai vu un truc. Parce que apparemment, on voit un Preston en mode Ohio. Donc attendez, je vais essayer de regarder. Ah oui, regardez. Vous voyez là-bas? Je vais vous faire un petit zoom à l'écran. Ok. Et eh bah, je m'en doutais pas du tout. Et eh bah, le vide. Et eh bah, le mythe est 100% validé, les gars. Ok, pour le prochain mythe, apparemment, si on se rend dans le mini-game de la pêche avec une canne à pêche dorée, avec une canne à pêche diamant, on pourrait avoir 1 milliard de plus de chances d'avoir le huge. Ok, et eh bah, c'est parti. Alors déjà, attendez. Pourquoi j'en ai une dorée là? Il y a un problème là. Pourquoi ma canne à pêche elle est dorée? Normalement elle est censée être en diamant, je comprends pas. Ok, bah en tout cas bah en tout cas c'est clairement pas validé parce que déjà la canne à pêche elle est pas en diamant et en plus on a même pas eu de huge. Ok, pour le prochain mythe il faut retourner au spawn et apparemment tous les 500 likes on est censé gagner des items. Vous voyez que la barre elle est presque au bout, donc on va attendre qu'il y ait 500 likes. Et puis je vous remontre juste après dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, si jamais on a vraiment eu un item gratuit. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est validé ou pas. On va attendre un peu. Ok, alors pour le mythe suivant, il faut se rendre au château. Et apparemment, juste ici derrière, il y a un trône et on peut s'asseoir dessus. Ok, parce que vous savez, il y a beaucoup d'items où on peut s'asseoir dessus, des chaises, etc. Et là, apparemment, on pourrait s'asseoir sur le trône et ça serait super cool pour prendre des jolies photos. Donc c'est parti, on va tester tout de suite. Et... Ah, attends. Non. Non. Ne me dis pas que c'est pas validé. Aïe, aïe, aïe. Le maximum qu'on peut faire, c'est comme ça, mais c'est pas assis, ça. Bon, bah les gars, malheureusement, le mythe n'est pas validé. Pourtant, j'y ai cru à celui-là. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est sûr, il marche. Et bah non, pas validé. Ok, alors pour le mythe suivant, apparemment, dans le classique hobby, vous avez plus de chances de réussir si vous allez à gauche plutôt qu'à droite.
Et en plus, apparemment, c'est autant rapide. Donc, si vous allez à droite, vous faites à peu près une vingtaine de secondes. Alors que si vous allez à gauche, on va tester ensemble. Donc, ceux qui ne connaissent pas, à gauche, en gros, c'est le moyen le plus rapide. Non, pas du tout. Le moyen le plus facile, pardon. Alors qu'à droite, c'est moins facile. Vous le voyez, il y a plein de trucs rouges. Mais par contre, c'est super difficile. Ok, on y va, on y va, on y va. Et 26 secondes. 26 secondes. Et bah, les gars, pour moi, c'est 100% validé. Ça met autant de temps pratiquement que le truc à gauche, parce que à gauche ça met. Parce que à droite ça met à peu près 20 secondes, alors qu'à gauche on l'a fait en 26 secondes. Donc pour moi, en vrai, c'est validé. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, alors pour le mythe suivant, il faut se rendre dans la zone numéro 13. Et apparemment. Ah oui, attendez, what? Apparemment, le pet juste ici que vous voyez, le petit griffin, il est censé vous suivre du regard. Attendez. Ok, attends, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Ah, attends. Ok, regarde-moi par là. Ah, attendez, quoique. Ah, je suis pas sûr, attendez. Ah non, non, non. Regardez, si je me tourne là comme ça. Ah non. Non, non, non. Malheureusement, c'est pas du tout vrai. Le PS, il ne vous suit pas du regard. Il a juste des mouvements de droite à gauche. Ah, ça, c'est vraiment dommage. C'est malheureusement pas validé. Ok, pour le mythe suivant, il faut se rendre au dig site. C'est un petit peu comme avec la pêche, mais cette fois-ci, la pelle en diamant. Qui est juste ici, elle est censée te garantir le huge si jamais tu trouves un coffre. Donc bon, celui-là, j'y crois pas trop. Ah d'ailleurs, regardez, ma pelle en diamant est apparue. C'est très bizarre parce que tout à l'heure, la canne à pêche en diamant n'était pas apparue. Donc je sais pas comment c'est possible. En tout cas, on a deux coffres juste ici, donc on va pouvoir tester deux fois. On va commencer par celui-là, c'est parti. J'ai même pas eu d'item. What? Ok, et le deuxième, attendez, peut-être que c'est le rouge qui marchait. Bah, ça marche pas non plus. Il y en a un troisième carrément. Oh, un item! Ah, c'est pas le huge. Aïe, aïe, aïe. Bah, les gars, je suis désolé, mais malheureusement, c'est pas du tout validé. Ceux qui ont dit qu'il y avait des huge garantis, c'est des vrais menteurs. Ok, alors pour le mythe suivant, apparemment, si on se rend dans le mini-jeu de Sled Race, qui est juste là, on pourrait réussir à le faire sans bouger. Oui, vous avez bien entendu, sans bouger. Du coup, c'est parti, on va tester. Et on va attendre 14 secondes. Ok, c'est parti, le mini-jeu a commencé. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors attendez, le mini-jeu a commencé. Je ne touche plus du tout mon clavier, les gars. Si vous êtes sur téléphone, faites-le sur téléphone. Moi, je suis sur clavier. Donc là, je ne touche pas du tout, les gars, je vous promets. J'ai les mains en l'air. De toute façon, vous voyez normalement à votre écran. Et donc là, normalement, le mythe, je vous l'ai déjà expliqué, mais vous ne devez pas toucher et apparemment, ça devrait réussir la course automatiquement. Donc c'est parti, ce qu'on va voir. Par contre, ça risque d'être très très long, mais ça m'a l'air de marcher en tout cas. Ça m'a l'air de marcher parce que quand vous faites frapper par un obstacle, j'ai l'impression que tu respawns à peu près. Ouais, vous voyez? Tu respawns un petit peu devant l'obstacle. Regardez là, je suis mort sur la brique. Bah tu vois, je respawn devant la brique. Du coup, en fait, bah forcément, tu vas te prendre plein de murs dans la face, mais ça va marcher. Et en plus, vous voyez qu'au début, on est un peu invincible. Ok. Et bah le mythe est 100% validé, mais on va quand même attendre jusqu'au bout pour vérifier si c'est vraiment sûr à 100%. Et pour l'instant, ça me paraît validé. Ok. Carrément, là, il fait des petits jumps et tout. Ok. Et bah, ce mythe, les gars, je peux vous dire quelque chose. C'est moi qui l'ai inventé. Et bah, je suis très content que le mythe, il marche. Parce que pour toutes les personnes qui ont la flemme de faire les mini-jeux, il y a certains mini-jeux que vous pouvez faire en AFK. Et c'est beaucoup trop bien. Ok, par contre, là, c'est vrai que ça galère un petit peu. Ok, c'est bon. Il a réussi à passer l'obstacle. Ok, là, c'est tout droit. Il y a une bande. Il y a une pente en plus. Ok. Oh, je me suis pris un arbre, je suis même pas mort. Ok, je passe dans le petit trou. Ok, nice, pas mal. Je respawn juste derrière. Ok, là c'est tout droit. Allez, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Nice. Ok. Oh, wesh, mon perso. Mais wesh, je faisais une danse Fortnite. Ok, les gars, bah, j'ai envie de vous dire. Ok, les gars, bah, j'ai envie de vous dire que c'est temps pour. Que c'est 100% validé. Et pour le prochain, ça tombe bien, on est juste à côté. Apparemment, on pourrait monter sur les chaises ici. Alors, on se rappelle le trône qui n'avait pas du tout marché. On n'a pas pu s'asseoir sur le trône. Donc, est-ce que là, ça va être pareil? On ne pourra pas s'asseoir dessus. Mais apparemment, le mythe, c'est qu'on peut faire du manège sur les chaises. Et donc, c'est parti, on se met devant. Ah, là, ça marche. Ok. Et bah, ça marche à 100%. Donc, si jamais vous avez envie de faire un peu de manège, et bah, vous en avez un juste ici, gratuit. Ok. Et bah, trop bien. Mythe 100% validé. Ok, alors on est de retour sur les likes.
Et ce qu'on va faire, les gars, c'est que je vais aller liker un post de Big Game. Vite, 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 vite. Hop. Attention. C'est parti, j'ai liké. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça ne marche pas du tout. Ok. Et bah, je crois que c'est parce que c'est pas sur Twitter en fait. Je crois que c'est dans Roblox. On va attendre un petit peu, mais là pour l'instant, ça marche pas trop. Ok, alors le prochain mythe. Apparemment, les récompenses de l'index au spawn sont différentes de celles dans la zone 76. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le pyroquet, le diamond, clan, diamond, boost et des potions. Ok, je vérifie que c'est bien ça. Ok. Et du coup, apparemment, dans la zone 76, il y a aussi un index et ça donne pas les mêmes récompenses. Attention. Ah, bah si, ça donne les mêmes récompenses. Ah, mais ça donne clairement les mêmes récompenses. Donc, je suis désolé, les gars, mais ce mythe, il est clairement pas validé. Clairement, clairement. Ok, les gars, pour le mythe suivant, c'est. Ok, les mecs, alors ce qui va se passer, c'est que je vais aller liker Big Game. Alors, j'ai déjà liké Big Game, malheureusement. Mais je vais quand même re-liker. Et puis, on va voir ce qui se passe. Ok, le mythe suivant, apparemment, c'est que avec la Comet Shower, quand on l'active, ça met des comètes sur toute la map. Oui, vous avez bien entendu. Il y en a qui pensent que c'est sur toute la map. Donc, c'est parti. On va tester. Oh! Ok, alors attendez. On a une comète juste ici. On a une comète juste ici, ok. Si je vais par là-bas. Ah, il y a une comète là, ok. Il y a une comète là aussi. Ah, mais par contre, malheureusement, comme vous le voyez, il y a certains endroits où il n'y a pas du tout de comète. Ah oui. Là, il y en a une, ok, stylé. Ah ouais, mais malheureusement, regardez. Il n'y a pas des comètes partout. Ah, dommage. Ok. Et bah, le mythe n'est pas validé. Il n'y a pas des comètes partout, partout. Ok, les gars. Je viens de recevoir une récompense pour tous les 500 likes, donc je pense que c'est 100% validé. Je m'y attendais pas à celle-là, mais du coup ça marche bel et bien. Et en plus il y a marqué dans le chat Global Like, ok, bah trop bien. Ok, pour l'avant-dernier mythe les gars, apparemment si vous vous rendez dans le shop de Preston, vous pouvez lui dire je veux un huge gratuit et il va vous en donner un. C'est parti, on va tester. Bon moi les gars, clairement, je vous le dis, j'y crois pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok, what's the super code? Du coup, vous marquez free huge. Et là, normalement. Ah non. Aïe aïe aïe. Bah, les gars, c'était sûr en vrai. C'était sûr. Je pense que littéralement personne n'y croyait. Ok, les gars, le mythe suivant, c'est dans les lucky blocks. Et vous le savez peut-être, mais vous pouvez faire uniquement 4 lucky blocks. Parce que, en gros, vous avez un timer. Mais même quand le timer est terminé. Mais même si le timer, les gars, n'est pas terminé, vous pouvez quand même. Mais en gros les gars, même si le timer n'est pas fini et que vous avez déjà cassé 4 lucky blocks, et bah ce qui va se passer, ça va être très simple, c'est que le mini-jeu va s'arrêter parce que vous ne pouvez faire que 4 lucky blocks et ça empêche les pro players de faire genre une centaine de lucky blocks en 15 minutes. Donc c'est soit 15 minutes, soit 4 lucky blocks. Mais du coup le mythe, qu'est-ce que c'est? En gros le mythe c'est est-ce que c'est possible de casser plus que 4 lucky blocks? Et bah les gars, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc là, je suis déjà en train de casser le deuxième lucky block. Et je vais essayer du coup d'en casser 4 direct. Moi, en vrai, j'y crois pas mal à celui-là. J'y crois pas mal parce que, en gros, quand vous cassez le quatrième lucky block, le temps il se met pas à 0 direct. Il vous reste 15 secondes. Et durant les 15 secondes, les gars, vous pouvez casser encore des lucky blocks. Donc il faut être très rapide pour réussir à casser un lucky block en 15 secondes. Et si jamais vous n'êtes pas assez rapide pour casser un lucky block en 15 secondes, j'ai une astuce pour vous. Donc on va la tester juste ensemble. Ok, donc déjà le troisième lucky block va apparaître. Ok, le troisième lucky block est apparu. C'est parti, on le casse. Ok, il en manque encore un avant qu'on fasse notre technique. Ok, c'est parti, c'est parti. Allez, allez, allez. Il nous en manque encore plus beaucoup là. Et encore désolé pour ma voix qui part en couille, je suis encore malade. Ok, c'est parti. On est au quatrième lucky block. Donc là, il devrait spawn, attention. Ouais, ok. Il a spawn là-bas, vous le voyez. Et donc la technique, les gars, ça va être très simple. On ne doit surtout pas le casser, ok? Il ne faut surtout pas le casser parce que sinon le temps est fini. Du coup, la technique, elle est très très simple. Vous allez voir. Donc vous faites attention à ne pas le casser. Le mieux, si vous désactivez l'auto-tap, etc. Hop, c'est beaucoup mieux. Ok, donc vous restez dans la zone opposée pour pas vous faire avoir. Bon, tu sais quoi, on va avancer un peu, mais je reste à côté de la périphérie au cas où. Parce que à tous les coups, mes pets, ils les one-shot et ça serait vraiment ballot. J'ai vraiment pas envie.
Ah mais là mes pets ils vont le one shot là le problème. Attends, je vais essayer, je vais essayer. Ok les mecs, du coup là j'ai fait normalement spawn un deuxième lucky block. On va voir s'il spawn ou pas. Oh nice. Ok, le deuxième lucky block est spawn. Du coup vous avez vu que j'ai cassé un quatrième lucky block. Et maintenant je peux casser le cinquième qui est juste là. Ok. Et bah les gars, ce mythe il est clairement validé. Ok, et bah le mythe est 100% validé. Je me demande même les gars, si jamais... Je me demande même si jamais on peut en faire spawn au moins une dizaine de lucky blocks noirs. Vous savez, si vous faites comme moi la technique de le faire spawn à l'infini, je pense qu'il y a moyen d'en faire spawn plusieurs. Là, vous avez vu que j'ai réussi à en faire spawn deux d'un coup. Donc voilà la petite technique. En tout cas, les gars, cette vidéo est maintenant terminée. Cette vidéo est maintenant terminée, les mecs. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour la partie 2 et la partie 3 dans le monde 2 et le monde 3. Si jamais vous avez des mythes à me proposer dans les commentaires, n'hésitez pas aussi. Je suis preneur. Allez. Ciao, ciao!